Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler justement de vidéos. C'est quelque chose dont je parle depuis maintenant quelques temps, qu'on m'a beaucoup demandé. C'est comment ça vous partager quelques petits tips sur le montage, sur le tournage, sur comment étalonner, comment post-produire les vidéos, que ce soit en FPV ou même de manière plus large, hein, sur la vidéo en général. Moi ça fait 12 ans que je suis vidéaste, que je vis de ça. Donc je fais principalement du clip musical, voilà, j'ai fait des clips pour des maisons de disques qui ont été diffusés en télé. Je bosse aussi un peu en télé en tant qu'opérateur de prise de vue. Je fais de la réalisation dans plein de domaines, hein. Je vous ai dit en clip musical, en événementiel, en corporate pour des sociétés. J'ai fait aussi un peu de fiction sur des projets perso, en tant que réal sur du court-métrage, ou en tant que chef-op sur les courts-métrages d'autres personnes. Je fais vraiment plein de choses dans la vidéo, diverses et variées. Et c'est vrai que ça se traduit pas forcément sur mes vidéos YouTube, parce que malheureusement, j'ai pas autant de temps que je voudrais à accorder à mes montages. Donc ça se ressent pas forcément sur ma chaîne, la nature de mon métier, mais voilà, je bosse dans la vidéo depuis longtemps maintenant, et je vais essayer petit à petit de vous donner quelques petites astuces que j'utilise au boulot, que vous puissiez les adapter à vos besoins, ce que vous faites en termes de vidéos, si vous voulez, j'en sais rien, même monter des films de vacances ou quoi que ce soit. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site perso, voilà, qui est lixvision.com. Enfin, mon site pro, où, voilà, je mets quelques-unes de mes réalisations que vous pourrez voir. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer principalement comment transformer n'importe quelle vidéo en 4 tiers en vidéo 16/9 Super View. Voilà, ça va être simple, rapide, je pense. J'espère clair. Donc le Super View, qu'est-ce que c'est? Le Super View, ça a été développé par GoPro. C'est tout simplement le fait d'étirer dynamiquement une vidéo qui est en 4 tiers pour la mettre en 16/9. Voilà. Mais pour pas qu'elle soit écrasée, que les rapports de hauteur-largeur soient bizarres, en fait, c'est étendu dynamiquement. C'est-à-dire qu'au centre, on garde un aspect de pixel en 1-1. Voilà, on a un aspect ratio de 1-1. Et sur les bords, c'est plus étiré. Ce qui fait que si par exemple vous filmez un ballon, par exemple au centre de l'écran, il restera bien rond. Alors s'il est sur les côtés de l'écran, il sera un peu étiré. Voilà. Ça donne un effet très spécifique, hein, à GoPro, parce que c'est un truc qu'ils ont développé eux-mêmes et ils ont mis un brevet dessus. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu du mal à parler. J'espère que je bafouille pas trop. Voilà, donc je vais vous expliquer comment faire un vrai Super View, parce qu'il y a plusieurs scripts qui tournent sur le net pour faire du Super View, mais c'est du fake Super View. Là, on va faire du vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. On va pouvoir faire ça grâce à un plugin qui a été trouvé par Grumly FPV, donc on le remercie. Allez d'ailleurs faire un tour sur sa chaîne, je vais vous mettre le lien dans la description, ou là juste en dessous, je ne sais pas encore. C'est un plugin pour Premiere Pro et After Effects. Donc voilà, malheureusement, si vous utilisez FCPX, ce sera pas possible de l'utiliser. Et puis peut-être que si vous êtes sage, à la fin de la vidéo, je vous montrerai quels sont mes presets un peu de base, comment je débute un étalonnage pour les images de la Tarsier. Voilà, histoire de faire d'une pierre deux coups. Avant de poursuivre et de passer à l'ordi pour voir un petit peu dans le vif du sujet ce que ça donne, voici ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qu'on va tester bientôt et que je vais vous offrir pour les 6000 abonnés de la chaîne. Voilà, c'est un petit giveaway, c'est le Novice Pack numéro 1 de chez eShine. Voilà, pour débuter le FPV, il y a tout dedans. Il y a un masque, un quad, une radio, 10 lipos, un chargeur. Il y a vraiment tout pour débuter, c'est vraiment cool. Il y a le Novice Pack 2 aussi qui arrive, qu'on va aussi tester et que je vous offrirai également. Donc écoutez, voilà, restez connectés à la chaîne, on fera un tirage au sort je sais pas quand, et voilà, mais voilà, ça c'est pour vous, on va le tester très bientôt. Écoutez, c'est parti, ne tergiversons pas plus longtemps et passons à la pratique, tout simplement. C'est parti. Le plugin s'appelle Atomic Stretch. Alors pour le trouver, c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez Atomic Stretch, hop, et vous cherchez le site glerblerblerbi.com. Ah, c'est imprononçable. Bref. Hop, on arrive dessus. Donc il y a une page, voilà, qui vous explique ce que c'est. Voilà, donc c'est pour After Effects et Premiere.
Voilà, ça vous montre quelles sont les fonctionnalités, ça vous explique un petit peu avec une petite vidéo explicative quelles sont les fonctions de ce plugin, pourquoi il est fait. On a ensuite des liens de téléchargement pour macOS et pour Windows. Voilà, on vous explique comment les installer, tac 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 tac, et les différents, comment dire, les différents ratios pris en charge. Voilà, ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut en faire, c'est génial, c'est cool. Alors, une fois qu'on l'a téléchargé, si vous êtes sur Mac comme moi, pour l'installer, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas ça que je veux, mon petit bonhomme. Bon, je vais vous montrer, c'est pas grave. Pour l'installer, c'est très très simple. Vous allez dans votre disque principal, vous allez dans Bibliothèque, Application Support, hop, vous allez dans Adobe, vous allez ensuite dans Common, ensuite dans Plugin. Vous choisissez la version de vos logiciels, bon, moi c'est 7.0 pour After Effects et Premiere, vous allez dans MediaCore et vous copiez le fichier qui est dans le zip que vous avez téléchargé, qui est atomicstretch.plugin. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est installé, on va pouvoir quitter Chrome. Vous allez dans Première, hop, ici dans la fenêtre Effets, vous tapez Atomic, il devrait vous le trouver direct. Voilà, on trouve ici. Et vous allez l'appliquer sur votre rush ici. Donc là, c'est un rush. Attendez, je vais virer le plugin, faire pomme Z. Donc là, c'est un rush qui est directement en 4 tiers, qui vient de l'atarsir en 1440p. Voilà, je glisse mon effet directement dedans. Et vous avez vu que automatiquement, il me l'a stretché en 16 neuvième. Alors, voyons un petit peu le plugin. Ici, Output Format, c'est votre format de sortie qui correspond aux settings de votre séquence. Donc moi j'ai une séquence en 16 neuvième, donc j'ai laissé sur auto, il a réussi à détecter, il n'y a pas de souci. Mais sinon on peut le régler manuellement sur 16 neuvième. Si vous faites une vidéo pour les portables, donc en 21 neuvième par exemple, on a aussi l'option. Et ensuite si vous voulez faire des formats un peu plus farfelus en 2,40, 2,35 pour en mode cinéma, vous pouvez avoir le mode custom qui vous permet de rentrer le ratio que vous voulez. On laisse en auto, en général, il se cale tout simplement sur les settings de la séquence, donc il n'y a pas de souci à se faire, on ne se rend pas la tête. Ensuite, Protected Area. Alors en fait, Protected Area, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est le Super View, c'est simple, on prend une image 4 tiers et on l'étend sur du 16 neuvième. Sauf qu'on ne fait pas ça de manière linéaire, on fait ça de manière dynamique. C'est-à-dire qu'au centre, c'est moins étiré que sur les bords. Donc en gros, la protected area, c'est le pourcentage de l'image qui va garder son ratio en fait, son ratio 1-1 par rapport à l'image d'origine enregistrée, pas par rapport à votre séquence. Quand je parle de ratio 1-1, je parle pas de format carré, je parle de ratio par rapport à votre image enregistrée. Ok? Donc on ne peut pas le mettre à 0, on va le mettre à 1%. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Protected Center, en fait, c'est la place horizontale dans laquelle on place comment ça s'appelle? Notre zone protégée. Donc on laisse à 50%, c'est-à-dire que c'est la zone qui est au milieu. Si vous voulez faire des effets un peu bizarres, vous pouvez déplacer la zone qui va rester protégée de la déformation à gauche ou à droite. Voilà, en fait, vous voulez. Hop. Ici, Stretching Overlay, ça va vous permettre de voir. En fait, d'avoir une grille qui va vous montrer, qui va mettre en relief les parties qui sont protégées et étirées. Vous voyez qu'au centre, on a un carré, qui est vraiment carré, et plus on s'éloigne, plus on part sur du rectangle. OK? Interpolation, Interpolation Mode, c'est le mode d'interpolation, donc on est sur du exponentiel, ce qui fait que l'étirement est dynamique et pas linéaire. Courbature, on va se mettre en 2-2. Là, vertical stretch. Alors voilà, c'est là qu'en fait le plugin se démarque des scripts qu'on voit sur le net qui ne gèrent que l'étirement horizontal et non l'étirement vertical. Là, on a la main sur l'étirement vertical aussi. On va se mettre sur 40%. Voilà. Et normalement, ici, on est bon. Voilà, on avait ça au départ, et là on a un joli super view. Ouais, c'est cool, hein? Voilà, tout simplement. Alors, ce qui est un peu chiant avec ce plugin,
c'est qu'on ne peut pas enregistrer de preset qu'on peut aller chercher à la volée. Donc là, on aurait pu faire un preset super view. On ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer les valeurs à chaque fois. Donc bon, c'est un petit peu relou, mais c'est comme ça. Hop, on va aller sur le deuxième rush, qui lui est un peu particulier. Attendez, on va se faire une copie déjà. Pomme C, contrôle C pour ceux qui sont sur PC. Voilà, on va se mettre sur le deuxième rush, qui est un peu particulier. Alors lui, c'est un rush de tertiaire, encore une fois, mais... Attendez. Parce que je l'avais déjà modifié. On va se mettre à un moment particulier. Il galère l'ordi, là. Et mon ordi, il est en PLS. Je suis en train d'enregistrer mon écran et de faire du montage en même temps. Là, ah, il n'aime pas. Ah, là, il n'aime pas. Voilà, donc là, on a un rush de tarsier. Donc, c'est du faux SuperView. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, SuperView, c'est un procédé logiciel hein, qui est intégré au GoPro, qui a été inventé et breveté par GoPro. Donc, aucune autre marque ne peut l'utiliser. Ce qui fait que les autres marques, pour se rapprocher un peu du SuperView, font un faux SuperView, c'est-à-dire qu'ils prennent du 4 tiers, qu'ils étirent de manière linéaire en 16 neuvième, c'est tout. Donc, ce qui fait qu'on a des proportions complètement écrasées, c'est dégueulasse. Bref, donc on va essayer de transformer ce faux SuperView en vrai SuperView, je vais vous montrer, c'est très simple. En fait, voilà, normalement, quand vous avez votre rush en faux 16 neuvième, en faux SuperView, il est comme ça. Okay, vous allez décliquer échelle uniforme. Dans largeur, vous allez mettre 75%, ce qui correspond au 4 tiers. Voilà, donc là, on a notre rush qu'on a retransformé en 4 tiers, sauf que c'est du 2,7K, donc on a une résolution supérieure. On n'a plus qu'à faire un coller du plugin. Hop, normalement, la magie devrait opérer. Il met un peu de temps à calculer à chaque fois, la première fois. Ah, ben là, j'ai un bug de première. Alors, ça arrive. Des fois, première plante, là, il faudrait que je relance première. Ça va mettre du temps, ça va être chiant. Il a bugué, là. Parce que normalement, ça me le met directement en 16 neuvième. Là, il y a un petit souci. Il a complètement bugué. Normalement, j'ai pas besoin de mettre 21 neuvième, j'ai besoin de mettre 16 neuvième. Bon, là, il y a un bug. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, ça marche quand même. Il aurait fallu que je redémarre première. Mais ça fonctionne quand même. Ok. Voilà, pour vous montrer... Alors, attendez. On va faire une copie de ce rush. Voilà. On va virer Atomic Stretch. Et on va se remettre en échelle uniforme. Voilà. Donc, ça, c'était le rush de base. Et ça, c'est le rush avec SuperView. Vous voyez, ça me préserve le bon ratio au centre. Voilà. Ok, donc maintenant une petite astuce pour l'étalonnage que j'aime bien utiliser. Un petit plugin qui est directement disponible dans Premiere, ce qui est ombre et ton clair, ce qui va vous permettre en fait de récupérer en dynamique de manière artificielle. Donc là, c'est des réglages auto qui sont un petit peu forts. Voilà. On va enlever réglage automatique. On va tout remettre à zéro. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait. Quand on augmente la valeur des ombrés, ça va tout simplement éclaircir les noirs. Et si on augmente la valeur des tons clairs, ça va baisser le niveau des tons clairs. Ce qui fait qu'en fait, ça compresse un peu la dynamique. On a une impression, c'est totalement artificiel, mais d'avoir une dynamique plus grande. Voilà, ça peut être intéressant sur certains rushs. Voilà, vous voyez l'avant-après. C'est peut-être même un petit peu trop. Mais bon, comme ça, au moins, vous comprenez, vous pouvez voir vraiment la différence. Voilà. Et ensuite, ce que j'utilise, classique, c'est le plugin qui est directement intégré à Premiere, qui est Colorimétrie, pour faire mes retouches colorimétriques. Voilà, bon, vous voyez déjà, attendez, si je coupe tout, de base, l'image de la tarsier est très propre, hein, on a une belle dynamique, il y a du détail et tout, c'est pas mal du tout. Mais voilà, si on veut pousser un peu plus loin, donc je mets ombre et ton clair, colorimétrie, donc les corrections de base, hein, voilà, contraste,
L'exposition, ton clair, ton foncé. Voilà, mais ça agit pas de la même manière qu'ombre et ton clair. On peut augmenter les tons clairs ou les baisser, mais vous voyez que ça réagit pas pareil. Voilà, c'est intéressant. Si je veux mettre un luth, je le mets pas dans correction de base. Je le mets dans ici créatif. Ce qui va me permettre, en fait, si j'ai un luth qui est fait pour du log, alors que là c'est de l'image Rec 709, je vais pouvoir régler son intensité. Alors je suis désolé, je parle un petit peu chinois pour ceux qui n'y connaissent rien à la vidéo. On en parlera vraiment plus en détail quand on fera une vidéo sur l'étalonnage, sur la post-prod. Voilà, donc ce qui fait que là j'ai mis un luth qui est fait pour du log, il est vraiment trop intense, je peux baisser l'intensité. Voilà. Et ça, du coup, c'est intéressant. Vous voyez? Bon, voilà, après, c'est des petits trucs, on peut changer selon les tons, les teintes, ensuite il y a les courbes qui vont permettre de pouvoir bosser sur les tons foncés et les tons clairs. À l'aide des courbes, donc là, je monte le niveau des tons clairs et je baisse ici le niveau des tons foncés. Après, on peut travailler plus sur les tons moyens. Par exemple, ici, voilà, je pourrais monter les tons moyens. Voilà, après, il y a plein d'outils, plein de trucs. Je vais virer parce que là, j'ai fait un truc dégueulasse, c'était juste pour vous montrer. Mais voilà, des petits outils que j'utilise pour faire de l'étalonnage. Et voilà, on a fait le tour de ce que propose Atomic Stretch. Voilà, c'est tout bêtement. Ça nous offre la possibilité de faire un stretching dynamique à la SuperView, horizontal et vertical, ce que ne sait pas faire le script, et surtout ça fait gagner du temps, parce qu'en fait le script va vous faire un export de votre rush original, donc ce qui veut dire que ça rajoute une compression, donc on perd en qualité. Là, je peux mettre mon rush natif directement dans Premiere Pro, il ne me dégrade pas le rush jusqu'à ce que je fasse l'export final de mon montage. Ce qui est cool, c'est que ça fait gagner du temps aussi en termes de montage, dans le sens où, voilà, je modifie mon premier rush avec Atomic Stretch, je fais ma copie du plugin, hop, je finis mon montage, je sélectionne tous mes rushs derrière, je fais coller, ça applique l'effet sur tous mes rushs, voilà. Et après, j'ai plus qu'à exporter mon montage. Bon, là, j'ai eu un petit bug sur le faux, comment ça s'appelle? Le faux SuperView, je ne sais pas pourquoi, il m'a fait un petit bug. Mais normalement, il n'y a même pas à changer l'aspect ratio là. Normalement, j'ai juste arrêté sur. Non, c'est pas ça que je veux. J'ai juste arrêté normalement sur auto et il me le détecte. Là, je ne sais pas, là, le plugin a bugué. Donc, il faut que je le mette sur 21 neuvième. C'est un peu bizarre. Mais normalement, il suffit de rester sur auto. Voilà. Mais effectivement, vu que j'ai transformé le rush en 4 tiers, pour le remettre au bon ratio, il faut que ce soit en 21 neuvième en fait. C'est logique. Mais normalement, il le détecte directement quand je le mets sur auto. Bon, là, non. Voilà. Si jamais vous avez ce problème de bug, il suffit de le mettre en 21 neuvième et tout fonctionne. Voilà. J'espère que cette vidéo a été claire, que je n'ai pas été trop confus, trop, voilà, que ce n'était pas trop fouillis. Et j'espère que ce sera utile. Dans vos montages, voilà. Bon, vous avez pu voir que c'est vraiment pas compliqué. Alors le problème, c'est qu'on peut pas faire de preset de réglage avec le plugin. C'est vraiment le truc qui manque. Ça aurait été bien de pouvoir faire ces réglages et de garder un preset qu'on puisse rappeler à chaque fois. Donc voilà, il faut juste garder un petit peu les chiffres en tête et puis ou les avoir dans un coin, faire une capture d'écran, voilà, et la ressortir quand vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est super efficace, ça marche très très bien. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par un script, de passer tous les rushs dedans. Là, on met tous les rushs dans la timeline. On fait une fois, on fait copier l'effet, on sélectionne tous les rushs, on fait coller, il est appliqué partout. Voilà, c'est simple. Et ça marche aussi bien sur les fichiers qui sont en 4 tiers que les fichiers qui sont en 4 tiers écrasés, voilà, pour le remettre en 4 tiers normal et avoir un super view propre. Voilà. Donc c'est vraiment un plugin que je trouve super intéressant, surtout quand on a une Foxirebox voilà, qui peut filmer en 4 tiers. Ou je sais plus quelle action cam là qui fait des comme la Tarsier par exemple qui fait du 4 tiers écrasé en 16e, voilà, pour pouvoir avoir un vrai super view à partir de n'importe quelle vidéo qui a été filmée en 4 tiers, que ce soit du natif ou de l'écrasé. C'est vraiment cool, c'est génial. Merci Gamli pour cette découverte. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la vidéo. J'essaierai de vous faire une série de vidéos. Voilà. De plusieurs vidéos, parce qu'en une vidéo, ça va durer 3 heures, ce sera indigeste. Voilà. Pour partir de la préparation du tournage, voilà, savoir ce qu'on va tourner, ce dont on va avoir besoin comme matériel, pouvoir préparer
à l'avance le tournage de sa vidéo pour avoir un truc cohérent et propre, jusqu'à la finalité, c'est-à-dire l'étalonnage, la post-production, et puis bien sûr, avant ça, le montage à proprement parler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été profitable, instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéo aussi, n'hésitez pas à me les proposer. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, qu'on soit de plus en plus nombreux. Mettez un petit pouce bleu, que la vidéo soit bien référencée. Et puis encore merci d'être aussi nombreux. Hein. La chaîne grossit de plus en plus. Là, on est à plus de 6500 abonnés. C'est une dinguerie. Voilà, donc on va reprendre un petit peu les giveaways, histoire de vous remercier. Et puis voilà, restez connectés pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets à traiter avec vous. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas choqué avec ma coupe de cheveux. J'ai mis 6 jours à défermer l'ox. Voilà, je suis revenu à mes cheveux naturels. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je sentais le besoin de vous en parler. J'ai mes gares. Écoutez, ne continuons pas cette vidéo plus longtemps. Je vous ai déjà saoulé assez. À très bientôt. Bon vol, portez-vous bien. Salut! Voilà. Je suis en train de tourner des vidéos, on m'envoie des messages. Quel irrespect, c'est n'importe quoi. Mais voilà les gens, voilà. Ils sont mal élevés. Voilà, ça va bien.